Alors, c'est quoi ton plan ? Enfonce. Au sommet des cadavres derrière vous. Beau travail, Warshall. Merci, général. Nous vous détruirons. Les rebelles vous tueront, Russang. Relâchez-le. Eh bien, allez-y.
Pourquoi attendre? Si je tentais quoi que ce soit contre vous, vos soldats m'abattraient sur place. Si ce rebelle me bat, il sera libre. À vos ordres, général! Splendide. Ça promet d'être drôle. Magnifique cadeau de mariage. La robe est magnifique, princesse. Oh oui, c'est sans conteste mon chef-d'œuvre, je vous l'assure. Elle est belle, en effet. Mais je refuse de la porter. Princesse, que puis-je faire pour... J'ai passé toute la journée debout. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Bien, princesse. Hé, Lou, vous vous rendez compte que ce malheureux va se jeter du sommet de la plus haute tour? Ça pourrait être un prétexte pour repousser le mariage. Un millier de couturiers se jetteraient de cette tour, que ça ne retarderait pas la cérémonie d'une minute. Je ne veux pas épouser cet homme. Hé, Lou, demain vous prenez un époux ainsi que le trône. Votre vie tout entière a été planifiée... Je connais mon devoir et mes responsabilités. Mais que fais-tu de moi? Je n'éprouve pas d'amour pour cet homme. Les gens de votre rang ne se marient pas par amour. Ça, c'est bon pour les gens ordinaires. Mon père et ma mère s'aimaient. C'était une autre époque. Votre père était un être exceptionnel. Et tout le peuple n'a qu'un désir, c'est vous voir gouverner le royaume comme lui. Ce sera Ruchang qui gouvernera, pas moi. Une femme comme vous pourrait attendrir n'importe quel homme. Ruchang n'est pas un homme à s'attendrir. Hello. Je sais que vous rêvez de connaître l'amour, mais croyez-en mon expérience, c'est un sentiment que l'on découvre en vieillissant aux côtés d'un homme. Tu crois vraiment, ces sornettes? Aide-moi à enfiler mon manteau. Comme si vous n'aviez rien de mieux à faire qu'à courir vous attirer des problèmes. Je vous en prie, n'y allez pas, c'est dangereux. Demain, je serai mariée et je n'aurai plus l'occasion de sortir. Je serai de retour avant la nuit. C'est bon, laissez passer. Effacez-moi ces graffitis et plus vite que ça. Thank you.
T'es fier de toi, hein? Où est le problème? J'ai gagné. Ouais, mais c'est bien ça le problème. On est obligé de rester pour la finale. Et toi, ma belle? T'aurais préféré que je finisse dans le purin? Eh bien, si tu me le demandes, ouais. Les combattants du match suivant, en place! Combattez! Qui c'est ce gars-là? C'est la première fois que je le vois. C'est un excellent combattant, il passe de temps en temps, mais il reste jamais pour encaisser sa prime. C'est un champion. Pendant ça, directeur favori du public. Tâche de faire vite. Vainqueur des deux premiers matchs, en position. Marshall va le massacrer. Regarde. Dit, monseigneur, je l'ignore. Où est-elle? Que faites-vous dans ma chambre? Où étiez-vous? Nulle part. Où étiez-vous? Cela ne vous regarde pas, général. C'est ce que j'aime en vous. Toute la beauté et tout le caractère de votre mère. Je vous interdis de parler de ma mère. Sortez! Taille-vous. Sortez! Maintenant, je sors. Ne laissez personne ni entrer ni sortir. À vos ordres. Et je devrais épouser un homme pareil. Hello. Non. Je ne veux plus entendre parler de devoir. Cet homme n'est qu'un monstre. Je ne l'épouserai jamais. Je préférerais mourir. Vous ne pouvez pas faire ça. As-tu vu ce qu'il a fait? Crois-tu que ça ira mieux après le mariage? Non.
L'épouser serait un crime. Lily, je puis t'assurer que... Qu'est-ce que tu viens de dire? L'épouser serait un crime. Que veux-tu dire? Réponds-moi, Lily. Tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dévoiler un secret que je n'avais encore confié à personne. La mort de votre père n'était pas accidentelle. Ruchang l'a tué. Comment le sais-tu? Je l'ai vu l'assassiner. J'étais dans la pièce. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'étais terrifiée. Je le suis encore. Quand le peuple apprendra que Ruchang a tué le roi bien-aimé, il se soulèvera contre lui. Bien sûr qu'ils se révolteront. Mais Ruchang a le contrôle de l'armée. Personne dans le royaume n'est assez puissant pour s'opposer à lui. Pas même vous. Il ne reculera devant rien pour s'asseoir sur le trône. L'assassin de mon père ne montera jamais sur le trône. Je t'en fais la promesse. Levez votre voile, que tous puissent voir la demoiselle devenir femme. Avant d'unir vos destinées, partagez le vin. Nous allons à présent procéder à l'union du général Ruchang et de la princesse Ilu. Général Ruchang, jurez-vous solennellement devant cette assemblée de vous lier à la princesse Ilu et de la garder pour femme jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je jure. Déclarez-vous, princesse Ilu, prendre le général Ruchang pour époux. Excusez-moi. Vous pourriez répéter? Déclarez-vous, princesse Ailou, prendre le général? Elle se trouve mal. Ce n'est pas grand-chose, un simple excès de nervosité. Il faut juste la laisser se reposer. Nous n'avons pas le temps, les invités attendent. Mariez-nous sur le champ. Mais général, le mariage ne serait pas valide. Général, laissez-la se reposer une heure. Je suis sûr qu'elle va revenir à elle. Une heure, pas plus.
Général! Général Hu Cheng, venez vite! La princesse ne se sent pas bien. Le mariage aura lieu dans 8 jours. Général, où est-elle partie? Elle se dirige vers l'est. Elle n'a qu'une petite avance. Partez immédiatement. Le mariage est dans 8 jours. Ramenez-moi ma fiancée. Se rafraîchit un peu, mademoiselle. Oui. Et j'aimerais le faire en paix, si vous voulez bien. Oh, naturellement. Nous allons donc vous laisser. Eh bien? On s'en va. Mais pas avant d'avoir réglé un certain point. À propos de cette splendide monture. Voyez-vous, mademoiselle, il faut bien dire que ce magnifique calesan a tout à fait l'air d'être un cheval d'aristocrate. Savez-vous qui vous avez devant vous, soldat? Non, mais j'ai l'impression que vous allez me le dire. Je suis la princesse Hello. La princesse? Eh bien, voilà qui change tout, ma foi. Pas vrai, les gars? La princesse. Ça, c'est pas de chance. Je suis désolé, mais va falloir nous suivre maintenant. Juste histoire de vérifier, vous voyez? Si vous et vos hommes ne partez pas sur le champ, vous aurez affaire au général Hu Cheng. Le général? Oh. Et comment qu'il va, le général? Parce que ça fait un bail que je l'ai pas vu, ce fils de gars. Oui. Je vous en prie, monsieur. Laissez-moi repartir. Vous n'oubliez pas, on devrait sûrement trouver un arrangement. On pourrait par exemple prendre le cheval. Et puis, puisque... que vous êtes sur vos ravissants petits genoux, princesse. Vous pourriez essayer de me persuader de vous laisser ici. Va falloir aussi nous persuader. Ouais. Ah oui, ça, ouais. Vas-y, montre-lui un peu. Eh, dépêche-toi, ça me démange. Ah, la gare! Attrapez-la! Je t'ai eu, hein? Ça n'a rien! Qui c'est? Les Warshide. C'est bien la princesse.
Hé, un pas de plus et je la tue. Je te préviens, soldat, je le fais. Vous êtes venu pour me ramener? Je m'en vais. Et vous direz à Ruchang qu'à mon retour, j'aurai toute une armée de soldats rebelles avec moi. Il paiera de sa vie pour le meurtre de mon père. Allez. Ruchang n'a pas tué votre père. Ah, vous croyez vraiment ça? C'était un accident. Tout le monde le sait. Vous étiez au premier rang au mariage. Il va de soi que... Si vous avez des preuves, présentez-les. À qui? À qui pourrais-je présenter mes preuves? Réfléchissez un instant. On dirait que vous ne savez pas quel genre d'homme est Ruchang. Moi, si. Je vous ai dit mes intentions. À vous de décider ce que vous ferez. Peu importe ce que vous pensez de Ruchang. Si je vous laissais seul, vous ne resteriez pas longtemps en vie. Très bien. Je repars avec vous. Allez chercher ma robe. Elle appartenait à ma mère. Soldat, je ne vais pas m'enfuir à pied. Rapportez-moi ma robe. Dépêcher. J'ai un lot exceptionnel, Annie. Tu vas adorer. Non, c'est toujours un plaisir. Regarde-moi cette beauté là. T'as vu ces gens? En tout cas, c'est magnifique. Ah non, non, c'est l'autre à côté là. Non. Ah, j'ai des dents. J'en ai d'autres là par là. C'est bon, pas plutôt ce que ça. Mais ça fait pas ce point là. Pour sûr. Non, elle est encore un peu trop fraîche. C'est pas grave. Allez, je vais discuter. Ce n'est pas que celle-là. Combien tu m'en donnes? 4 chevaux, tu plaisantes. Elle est parfaite. Vu ses cheveux, c'est... 4 chevaux, c'est le prix. Non, ça c'est... Non, ça c'est exceptionnel. Allez, faites fort. Oh, d'accord. Tu veux rire? Ah, c'est un très bon prix. Non, tu veux quoi, me faire les choses? C'est pas fait, je te dis. Mais qu'est-ce qui se passe là? Elle est fou!
Sortez-moi de là! Vous avez perdu beaucoup de sang. Ça devient tuant de vous sauver. Où sommes-nous? À quelques centaines de kilomètres de Ruchang. Il faut que je vous ramène au palais. Je vous l'ai dit, je ne rentrerai pas. Pas sans une armée derrière moi. Vous vous êtes bien battu dans la taverne. J'ignore de quoi vous parlez. Vous avez triché. Vous m'avez lancé de la boue au visage. Sauf votre respect, princesse, en quoi ai-je triché? Est-ce que j'ai enfreint le règlement? Non. Mais ce que vous avez fait est contraire à l'honneur. Je ne cherchais pas l'honneur, mais la victoire. Et si vous voulez combattre Ruchang, je vous conseille de bien tenir la leçon. Parce que je vous assure que l'honneur ne connaît pas. Vous croyez vraiment que les rebelles vont vous suivre et renverser Ruchang? Oui, je le crois. Vous ne croyez pas que s'ils pouvaient l'abattre, ce serait fait depuis longtemps? Si je rejoins les rebelles, ils lutteront pour le bon droit. Vous pensez que ça changera quelque chose? Mon père disait qu'il y a deux hommes qu'on ne peut vaincre. Celui qui se fiche de perdre et celui qui est sûr d'avoir raison. Et vous êtes sûr d'avoir raison? Oui, quitte à y laisser ma vie. Désolée, princesse. Vous parlez de mourir, mais pour l'instant, le peuple a besoin d'une reine, pas d'un martyr. Demain matin, je vous ramène. Utilisez votre radio pour appeler les hélicos. Dis donc, toi, qui tu te crois, là, pour me donner des ordres? C'est pas comme ça que ça marche par ici. Mais si tu nous prêtes ta prisonnière, on te laissera jouer avec notre... Oh.
appeler un hélicoptère. Ces hommes avaient peur de vous. Pas tous, apparemment. Je crois que c'est fait, maintenant. À l'avenir, il gardera ses mains dans ses poches. Dès que j'aurai mis son premier fils au monde, Ruchang montera sur le trône et me fera assassiner dans la foulée. Voilà à quoi vous me condamnez. Pourquoi restez-vous loyal à Ruchang? Eh bien, c'est le général. Point final, c'est le général. Point final, c'est le général. Mais quand je vous dis que c'est un sadique, l'assassin de mon père, ça ne change rien pour vous? Quand j'avais 10 ans, Ruchang m'a évité les camps de travail et m'a fait entrer dans une école militaire. Et alors, c'était vous faire une faveur que de vous transformer en tueur? Tous les hommes sont des tueurs. Mais il a fait de moi le meilleur. Au travail. Dans l'hélico. En avant! En avant! Venez, tâchez de les pousser. Il faut les empêcher de décoller! Quoi?
va, princesse? J'ai la joue en feu, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien. Cet engin? J'ai réussi à décoller, pas vrai? C'est peut-être un coup de chance. C'est pas un moment que j'ai pas piloté. J'ai juste un peu rouillé. Un peu rouillé, oui. Vous savez où vous allez? Pour l'instant, je tiens à m'assurer qu'on n'est pas suivi. Lui, c'est Warchild. Warchild le boucher. L'assassin. Thank you.
bienvenue chez les rebelles. Princesse Elou. La princesse Elou ? J'interdis qu'on le maltraite. Il a risqué sa vie et a renoncé à tout espoir de retour tant que Ruchan sera au pouvoir. Chez nous, on dit que la seule chose qui tue plus de rebelles que la faim, c'est Warchild. C'est un soldat. Il obéissait aux ordres. Qu'est-ce qui nous dit qu'il a changé ? Je le sais. À combien s'élèvent vos forces ? À ce que vous avez vu en arrivant. C'est tout ? Cette poignée d'hommes ? Oui, c'est tout. Qu'espériez-vous trouver ? Une armée. Allons, ne soyez pas tristes. Notre cause est juste. Tous les hommes et les femmes de ce camp sont prêts à donner leur vie pour elle. Et quand le peuple saura que vous êtes avec nous, là, vous l'aurez, votre armée. Vous oubliez un détail. Comment ça ? Je n'ai pas encore rejoint la Révolution. Si vous ne libérez pas ce soldat, je pars sur le champ. Est-ce que ça va ? Ça peut aller. Bien. Faut croire que sa dernière heure n'a pas encore sonné. Le peuple tout entier se ralliera à vous. Je pense même que certains militaires vous suivront. Mais ces gens, ils auront besoin d'un commandement, d'un chef. C'est bien pour ça que vous êtes là. Oh, mais je ne connais rien à l'art de la guerre. Eh bien, qu'est-ce que vous avez ? Quelque chose ne va pas ? Ruchang sait désormais où vous êtes. Et il sera là dans les 48 heures. Tu délires ? Ça fait des mois qu'il nous cherche. Il nous a jamais trouvés. Il n'était pas loin hier. Et je vous garantis qu'à l'instant où je vous parle, il se rapproche encore. On est vraiment obligés d'écouter. Il a raison. Il sait où nous sommes. Il ne renoncera jamais. York, je peux t'assurer. Robert ! Ils ont raison. Il faut lever le camp. On tuera Ruchang un autre jour. Ça, c'est le problème numéro 2. Vous ne pouvez pas tuer Ruchang. Moi, si. Allez, remets-vous un peu. L'hélico trouvera le campement et nous couvrira. Général. Allez, montez dans les camions, les gars. J'aimerais que tout soit fini pour le petit déjeuner. Tu parles. Tout a l'air calme dans les environs. Vous comptez toujours partir dans la matinée ? À l'aube. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que vous restiez. Moi seul peux tuer cet homme. On ne veut pas vous perdre. Vous êtes trop précieux pour nous. Regardez ces malheureux. Ils ont besoin d'un vrai maître de guerre. Comme vous. Si je parviens à abattre Ruchang, ça mettra fin à la guerre. On ne peut pas s'offrir le luxe de vous perdre. Princesse, nous devons... L'heure n'est pas à la discussion. C'est un ordre. Je vous interdis de partir. Vous avez perdu la tête, soldat ?
Nous installerons le camp plus au sud, en priant que tu réussisses ta mission. Capitaine. Prenez ceci. Mon père disait qu'il portait chance. Merci. Mais attention. Il faudra me le rendre. Thank you.
Camion. Gardez bien vos mains sur la tête. J'en ai un autre groupe de prisonniers. Avancez. Allez, plus vite, plus vite que ça, là. Les mains sur la tête. Allez, je dis. Arrêtez de pleurnicher et avancez. Allez, avancez, avancez. Allez, dépêchez-vous. Allez. Vous avez tué mon enfant. Bougez-la et montez là-dedans. Tassez-vous dans le fond. Pas à venir te chercher. Allez, soldat. Je vous en supplie. Si vous m'aimez, partez. Tenez-le.
Pas trop vite. Alors. T'es sûr qu'il est parti par là? Arrête-toi. Notre ami veut s'amuser. Bon, écoutez bien. Trop. Bouge pas de la type. Ok. Il faut qu'il se ramène. Roman. Ouais. Toi, tu cherches de ce côté. Ouais, d'accord. Ouvre l'œil et le bon. T'inquiète. Quand je veux, Warchild. Écoute, tu veux pas me tuer. Et moi, je ne veux pas te tuer. Mais Rutschang me couperait la tête. À cette distance, je devrais pouvoir faire mouche. Comme je te l'ai dit, je ne veux pas te tuer, Emmerich. Eh bien, si ça peut te rassurer, moi, j'ai pas l'intention de mourir. Retourne auprès de Rutschang. Dis-lui que tu as réussi ta mission. Il s'agit pas de m'amener les mains dans les poches. Tu sais, comme moi, il faudra que je lui apporte une bonne preuve. Que je te prends quand je veux. Général. Eh bien. Le traître n'est plus de ce monde. Je crois que ceci vous intéressera. Je n'ai rien à vous dire. Princesse, vous croyez que je vous épouse afin de monter sur le trône? Ce n'est pas la seule raison. C'est l'amour. Il n'y aura jamais le moindre amour entre nous. C'est Warshild, n'est-ce pas? Votre cœur bat pour un fantôme. Demain, nous serons mariés. Nous pouvons bâtir un rêve ou vivre un cauchemar. À vous de choisir. Ah !
Charles. Capitaine. Laissez passer. Qu'avez-vous versé? Rien, rien du parfait. Laissez-moi goûter. Non, alors. Non, Lily. Je suis désolée. Cérémonie. Je vais voir dans sa chambre. Tâche d'être prudent. Dépêchez-vous, je vous en prie, laissez-moi. La princesse a l'intention de tuer Ruth Chang et de se suicider. Comment? Le vin, vite, vite, elle l'a empoisonné. Levez votre voile afin que tous puissent voir la demoiselle devenir une femme. Avant d'unir vos destinées, partagez le vin. Thank you.
père était un homme bon, ainsi qu'un grand roi, et vous l'avez assassiné. Vous voulez mourir pour ce boucher ?
Attendez! Sauvez-vous vite! Je vous en prie, soldat, sauvez-vous! Ce n'est que le commencement.